Ma parole, vous avez des demandes de fou. Charles, on me demande que tu joues Pirates des Caraïbes en live. Pareil que tu sais faire ça. Ah, tu sais faire ça? A cappella? Pirates des Caraïbes. Alors attendez, attendez, on va mettre Charles au défi ce soir. Envoyez-moi un maximum de cœur. Si vous voulez voir Charles jouer Pirates des Caraïbes en live. Alors j'attends vos cœurs, j'attends un maximum de cœurs parce que je veux voir Charles jouer Pirates des Caraïbes. Alors vous pouvez demander n'importe quoi, apparemment Charles sait tout jouer. Donc si vous voulez du Annie Cordy, du Chantal Goya, du Bob Marley, enfin je sais pas. Mais je sais que Charles maîtrise tout le répertoire musical, mais alors complètement illimité quoi. Show me some love and show me some respect to the one and only Sir Charles. Hey Charles, 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 attends, 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 attends. Moi j'arrête la musique, moi je vais te mettre au défi surtout. Alors attendez, là sur le chat, envoyez-moi éventuellement un morceau, mais alors le morceau le plus improbable que vous connaissez, donc le truc vraiment le plus kitsch, et on va demander à Charles de jouer ce morceau. Par exemple, moi je vais commencer Charles, moi je vais commencer. Est-ce que tu peux jouer par exemple Tata Yo-Yo? Alors, là, Tata Yo-Yo, on va faire un repose en paix à notre chère et tendre Annie Cordy, la reine de Belgique. Tata Yo-Yo, est-ce que... Ah, ouais. Ah, je t'envoie la première note. Ça fait... Right now it's showtime. Are you ready? The one and only DJ Jazz. Attendez les filles, attendez les filles, attendez les filles, attendez. Attendez les filles, attendez. Là, attends, attends. On a. Attends, chante dans les bois les oiseaux, chante dans les bois. Attends, non, non, non. Pardon? Le zizi de Pierre Perret. Alors, le zizi de Pierre Perret. Donc, tu connais les notes? Attends, ça commence. S'il vous plaît, envoyez-moi un maximum de likes, un maximum de cœurs, parce que là, il vient de faire un truc de malade mental. C'est la première fois que je le mets au défi sur des chansons complètement improbables. Alors, Charles, là, je vais te mettre un truc.